Bonjour à tous, bienvenue pour la lecture des chapitres 7 et 8 du Petit Prince. I hope this reading keeps you nicely entertained during your quarantine and that you're enjoying your piece of daily French literature. Just a reminder, the text is available. I'll share the screen, but you can find the whole text on... wait, I'll check. I'll double check for the right URL in ebooksgratuit.com. I'll put the link in the description of the video and in the show notes of the episode. Okay, so let's get back to our reading. I'll share the screen and voilà. Alors, chapitre 7. Le cinquième jour, toujours grâce aux moutons, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines. Épines, thorns, thorny flowers. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieuse, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. « Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. » Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais « Si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. » Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda, stupéfait. De choses sérieuses? Il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta, tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent ses cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais c'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon! Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et c'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien? C'est pas important la guerre des moutons et des fleurs? C'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge? Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part
sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. C'est pas important, ça ? Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et c'est pas important, ça ? Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. Il pleure. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait, sur une étoile, sur une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans mes bras, je le berçais, je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais pas comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Chapitre 8. J'appris bien vite à connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du petit prince, des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place, et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine à portée d'on ne sait où. Et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croire et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui installait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis, voici qu'un matin, justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant, je me réveille à peine, je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Le petit prince alors ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle, n'est-ce pas ? Répondit doucement la fleur, et je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner », avait-elle bientôt ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le petit prince, tout confus, ayant allé chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple,
Parlant de ces quatre épines, elle avait dit au petit prince, « Ah, ils peuvent venir les tigres avec leurs griffes !»« Il n'y a pas de tigres sur ma planète !» avait objecté le petit prince. « Et puis, les tigres ne mangent pas d'herbe !»« Je ne suis pas une herbe !» avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi. » Alors, voilà la fleur. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent ? Horreur des courants d'air ? C'est pas de chance pour une plante, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé, là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être fait laisser surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé une, deux ou trois fois, pour mettre le petit prince dans son tort. « Ce paravent ? J'allais le chercher, mais vous me parliez. » Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Well, I guess coughing at the moment is not a very good time for it. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter », me confia-t-il un jour. « Il ne faut jamais écouter des fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. » Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eut dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Fin du chapitre 8. Et j'espère que vous passez une bonne semaine en ma compagnie, ou plutôt, c'est un peu prétentieux, mais en la compagnie du petit prince. Je vous donne rendez-vous demain. Et n'oubliez pas, laissez-moi vos commentaires et vos feedbacks. Dites-moi si vous appréciez, si vous avez des questions, des suggestions. À bientôt !